un équilibre, de poissons sans écailles, sont des géants de l'eau. Régulièrement, des spécimens de plus de 2 mètres se capturent. Un crustacé d'eau douce, très prisé pour sa consommation, est aussi présent, l'écrevisse. Mais, attention, mieux vaut s'informer avant de la capturer. La réglementation est stricte. Ici, le pêcheur, bord ou en bas. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir la base de loisirs de Parc Rossal. Aujourd'hui, lieu de promenade et d'air de jeu, mais qui, autrefois, était une carrière d'argile sablée. Argile sablée, matière première pour la fabrication des briques, dont un goût s'en appelait. En 1920, puis de discothèque, et aujourd'hui, totalement réaménagé par une société anglaise, d'appartements de standing. Les parties basses ont été murées à cause des crues répétées. En 2003, l'eau avait atteint les 3/4 des fenêtres du premier étage. Sur notre droite, le moulin de Gardès, construit au XVIe siècle. Sa fonction première abandonnée, il servit d'atelier à M. Claire Rock, éminent maître verrier, puis de discothèque dont les flammes prirent récemment possession. Nul doute qu'il sera restauré. Nous allons obligatoirement de nouveau franchir l'écluse. Et comme à la...
place de la foi chrétienne après le Qatar, c'est une cathédrale forteresse, sacrée par sa masse. Il fallait de la vertu. Nous avons tant qu'il y a, justement, pas les deux. La vieille siècle, il a pu aujourd'hui plus de 10 œuvres de pape remplies de lignes de texte. Des fortifications, lui de promener sur le chemin de Rome, dominant d'une part d'armes et d'autre part l'ancienne place d'armes transformée en magnifique jardin à la française dessiné par lui. Devant nous, la chaussée, sur notre droite, au moulin, celui du chapitre, restauré en 1800 électrique, comptant par sa fonction environ 8000 habitants.